بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique. Nous avons commencé, mes chers frères et sœurs, comme vous l'avez suivi pendant les séances précédentes, que nous avons parlé des actes préliminaires de la prière. Nous sommes rentrés dans le contenu de la prière, commençant par Takbiratul Ihram, et se finalisant par Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions aussi commencer à vous commenter et vous expliquer aussi, vous éclaircir sur les points constituant réellement le contenu de la prière. Et nous avons commencé, mes chers frères et sœurs, de parler de Takbiratul Ihram. Et nous avons effectivement parlé de l'intention de Takbiratul Ihram. Et nous étions arrivés à l'Iqama, c'est-à-dire la station debout des Orients, lorsque lui qui fait la prière, Moussalli. Et nous avons essayé, mes chers frères et sœurs, de parler de cette question et aussi les points intéressants qui s'y trouvent. Et nous avons essayé de parler de ces points. Et la disposition relative aussi à Qiyam, qu'on appelle la station debout. De priant. Donc, nous avons essayé, chers frères et sœurs, de parler de ces points importants. Et il est dit que, mes chers frères et sœurs, quelque part, pour un rappel, qu'on est tenu par obligation d'observer une petite pause avant et après la prononciation des takbir, tout l'ihram, afin de s'assurer qu'on l'a bien prononcé en station, mes chers frères et sœurs, debout. C'est une obligation que nous puissions réellement s'arrêter pour être très sûr que nous avons prononcé Takbiratul Ihram dans sa formule réellement normale. Et donc, en réalité, qu'il n'y ait pas d'erreur dans la prononciation. Dans ce cas précis, c'est celui-là même qui est rentré dans la prière de prière commune, l'imam ayant fini réellement de réciter la sourate après la prière, après la fatia, donc qui est parti en génuflexion, et le priant qui vient rentrer, mes chers frères et sœurs, pour prendre le train en marche, il est important qu'il fasse d'abord Takbiratul Ihram et s'arrêter pour un petit moment, être sûr réellement qu'il a prononcé cette Takbiratul Ihram dans sa meilleure manière, et Inch'Allah, enfin, de prendre le train en marche, Inch'Allah, qu'il s'agit ici de la prière commune. Donc, mes chers frères et sœurs, le premier point est lié à cette situation. Le qiyam observé avant le ruku est celui qui permet d'aller directement à la génuflexion. Ainsi donc, aussi ayant oublié le ruku à l'issue de la récitation, il est descendu pour la prosternation, c'est-à-dire que le priant, lorsqu'il va effectivement pour la prosternation, on doit se lever complètement, c'est-à-dire que se lever complètement, si on s'est rappelé avant d'avoir pu se prosterner, de faire, mes chers frères, le ruku. Si on se rappelle effectivement
Et avant la prosternation, on doit revenir, faire le recours. Et si, mes chers frères et sœurs, d'abord la prosternation, ensuite, et c'est ce qui est plus intéressant, lorsque vous êtes, mes chers frères et sœurs, dans ce cas précis, parlant des rukou, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions effectivement parler des qiyam dans ce sens que lorsque nous avons fait le qiyam, à partir, nous sommes réveillés et des qiyam, nous sommes partis à la prosternation. Avant que le sol puisse toucher la terre, nous avons su réellement que nous n'avons pas fait la génuflexion. Il est demandé de revenir faire la génuflexion et ensuite la prosternation. Pendant le qiyam, on a tenu, mes chers frères et sœurs, d'éviter certaines choses. Il y a parmi ces choses les points que je vais essayer, mes chers frères et sœurs, de vous citer. Nous avons le premier point. Et après le qiyam, après la takbiratul ihram dans le qiyam, on est tenu, mes chers frères et sœurs, de ne pas bouger le corps. On doit se dresser devant Allah subhanahu wa ta'ala et immobiliser le corps. Et aussi, mes chers frères et sœurs, se pencher d'un côté, cela aussi n'est pas demandé, on est tenu d'éviter cela. Et aussi, mes chers frères et sœurs, trop écarter les jambes, nous ne devons pas trop écarter les jambes jusqu'à dépasser ce qui est normal, mes chers frères et sœurs. Et soulever le pied du sol, nous ne sommes pas, on doit éviter cela, soulever le pied du sol, le pied doit être en contact avec le sol. Même si le poids de notre corps, nous pouvons essayer de mettre le poids de notre corps sur un seul pied, mais l'autre pied doit essayer de prendre contact avec le sol, d'être en contact avec le sol. Laurent, il est tenu, mes chers frères et sœurs, lors du Qiyam, si on peut s'exprimer ainsi, de poser les deux pieds sur le sol, et c'est ce que nous venons de dire, il est tenu de poser les deux pieds sur le sol, mais cependant, il n'y a pas de problème à apporter le poids du corps sur l'un de ses pieds. Hein? Le poids peut être, l'un des pieds peut supporter le poids du corps, mais l'autre doit être en contact avec le sol, mes chers frères et sœurs, et cela est très important. Et nous avons parlé, mes chers frères et sœurs, aussi de celui qui ne peut pas aucunement, en aucun cas prier debout, et doit s'asseoir pour la prière. S'il ne peut pas s'asseoir, doit se coucher sur le flanc droit, faisant face à la Qibla. S'il ne peut pas se coucher sur le flanc droit, et il doit aussi, mes chers frères et sœurs, se coucher sur le flanc gauche, faisant face, bien sûr, à la Qibla. Et s'il ne peut pas faire cela, on doit orienter la plante des pieds vers la Qibla et son visage vers la Qibla, comme le moribond, et afin qu'il puisse accomplir cette prière dans les meilleures conditions, Inch'Allah. Et mes chers frères et sœurs, nous avons cela. Le rein aussi est tenu d'obligation à l'issue des recours, mes chers frères et sœurs, de se redresser complètement. Il ne doit pas venir de recours de façon précipitée, partir directement à la prosternation. Non, il n'est pas demandé. Lorsqu'il vient de la génuflexion, il doit se tenir debout, hein, redresser avant de partir, mes chers frères et sœurs, à la prosternation, vu que le qiyam fait partie, mes chers frères et sœurs, vu que l'omission volontaire de ce qui est du qiyam entraîne effectivement l'annulation de la prière, donc on doit tenir debout. Même si le qiyam qui vient après le coup ne faisant pas partie, bien sûr, des actes les pliés de la prière, mes chers frères et sœurs, mais ce qui est plus important, il fait partie des obligations de la prière. Donc, nous avons dit les obligations de la prière lorsque on omet ces obligations de façon volontaire, la prière est annulée. Donc, mes chers frères et sœurs, dans ce sens, le priant doit essayer de faire beaucoup attention à ces points-là. Et nous sommes arrivés, mes chers frères et sœurs, à un autre point qui est plus intéressant, c'est la récitation. La récitation de la Fatiha, la récitation de la Sourate qui vient après la Fatiha.
Dans les deux premiers rakats des prières obligations quotidiennes, mes chers frères et sœurs, on est tenu de réciter d'abord la sourate al-Fatiha, comme vous le savez, et puis la faire suivre l'une des sourates entièrement, et parmi les autres sourates figurant dans le Saint-Coran, quelle que soit la sourate, mais qu'elle soit lue entièrement après la Fatiha, mes chers frères et sœurs, cela est la version de Ahl al-Bayt. Au troisième ou au quatrième rakat, mes chers frères et sœurs, de la prière, on est tenu effectivement de réciter la sourate al-Fatiha. On peut faire la sourate al-Fatiha et aussi sur le soir, on soit les tasbih, les trois tasbih, mes chers frères et sœurs, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, soit à la place de substituer la sourate al-Fatiha par cette tasbihat al-Arba, les quatre tasbih, mes chers frères et sœurs, effectivement. Donc il faut comprendre cela trois fois. Soit la sourate Fatiha une seule fois et les tasbihat trois fois. Donc mes chers frères, quatre, trois fois, et cela est très important lorsqu'on parle de cette tasbihat, on peut substituer par la Fatiha ou le contraire. Donc mes chers frères et sœurs, et voici les points. Nous avons les quatre tasbihat qui sont Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, qui peuvent réellement substituer, on peut remplacer la Fatiha par les tasbihat al-Arba, ou lit la Fatiha entièrement, naturellement, mes chers frères et sœurs. Effectivement, il y a des dispositions à prendre concernant la récitation de la sourate, soit la Fatiha ou la sourate qui vient après la Fatiha. Il y a des dispositions à prendre que le priant doit essayer de prendre, mes chers frères et sœurs. Le priant étant tenu de réciter soit la sourate al-Fatiha, est-ce une seule fois ou quatre tasbihat à voix basse troisième et au quatrième rakat, mes chers frères et sœurs, la récitation de la sourate al-Fatiha, mes chers frères et sœurs, et d'une autre sourate complètement au premier ou au deuxième rakat est régie de la manière suivante. Donc, lorsqu'on fait la sourate al-Fatiha, on fait une autre sourate ajoutant sur la sourate al-Fatiha. Nous ne pouvons le faire seulement que mes chers frères et sœurs dans la prière de l'aube, nous pouvons faire aussi dans la prière de les deux rakats avant, les deux rakats dans la prière, les deux premiers rakats dans la prière de dhuhr, de midi, et les deux premiers rakats dans la prière de l'asr, et les deux premiers rakats dans la prière de maghrib, et la crépuscule, et les deux rakats dans la prière de isha, la prière du soir, effectivement. Et mes chers frères et sœurs, vous ne pouvez comprendre que ces points-là. Et il est demandé aux femmes de lire à voix basse où l'on doit lever les voix, donc on doit lever la voix dans la prière de l'aube, on doit lever la voix, on doit lever aussi la voix, mes chers frères et sœurs, dans la prière de crépuscule al-Maghrib, ou aussi dans la prière de nuit, la prière du soir, l'Isha. Donc nous avons ces points, mes chers frères et sœurs, qui sont plus intéressants et que nous devons faire beaucoup attention. Si la récitation est faite volontairement, à voix haute, ou là, elle devrait être faite à voix basse, vice-versa, la prière est annulée. Par exemple, la prière de dhuhr, la prière de asr. Mes chers frères et sœurs, si la prière de asr doit se faire à voix basse, mes chers frères et sœurs, si on de façon involontaire, effectivement, on essaie, mes chers frères et sœurs, de faire la prière à voix haute, mes chers frères et sœurs, la prière est annulé volontairement, bien sûr, pas involontairement. Si on fait de façon volontaire, mes chers frères et sœurs, la prière est annulée. Si en récitant la Fatiha et la Sourate, on se rend compte qu'on s'est trompé, hein? Dans la Fatiha, on se rend compte qu'on s'est trompé, et aussi ou dans la Sourate qui vient après, surtout la Sourate qui vient, on se rend compte qu'on a oublié une partie de cette Sourate. Il n'est pas nécessaire de reprendre la récitation de la partie déjà récitée. Il n'est pas demandé en fait de revenir sur la sourate et revenir à nouveau réciter la sourate. Si on se rend compte qu'on a fait une erreur, mes chers frères et sœurs, on est tenu d'apprendre à prier sans erreur. À côté de ça, il est demandé aux priants, aux orients, de faire la prière sans erreur, d'apprendre bien la prière. Et à réciter, et celui qui ne parvient pas de tout apprendre correctement tenu, mes chers frères et sœurs, de prier comme il le peut.
Oui, d'apprendre à prier correctement, cela fait partie, cela nous demande d'ailleurs d'apprendre bien la sourate al-Fatiha, d'apprendre aussi d'autres sourates, au moins deux sourates, une seule sourate, après la sourate al-Fatiha. S'il s'avère que nous n'avons pas pu réellement, avec le temps, d'apprendre ces sourates, mes chers frères et sœurs, nous pouvons trouver comme on peut, prier comme on peut, Inch'Allah. Et Seigneur va nous pardonner, mais à côté de ça, de cela, et essayer d'apprendre aussi la sourate al-Fatiha et d'autres sourates. Quoi qu'il soit mieux, par procuration facultative, qu'il participe à la prière commune, s'il se trouve dans ce cas précis, donc selon les fatwas de certains savants, disent que réellement qu'il doit essayer toujours de participer dans les prières communes. Donc, parce que si l'imam lit la sourate, et il n'est plus demandé aux priants et ceux qui suivent l'imam réellement de lire aussi la sourate, mes chers frères et sœurs. Et sur ce point, Inch'Allah, nous allons essayer de revenir et sur ce point et continuer dans ce sens. Et sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.